Alors que Phénix approchait de la forge, quelque chose lui dit qu'elle n'était pas seule. Hein?
En dépit de la chaleur intense, Phénix poursuivit sa mission. Elle plongea le marteau d'Héphaïstos au cœur du feu. Prométhée, on ne peut pas gober ça. Aucun humain n'est capable de manier ce marteau. Ni de tenir tes éclairs. Et pourtant, absorbant le pouvoir des flammes, le marteau se gorgea de vie. Et Phénix libéra ainsi la deuxième des bénédictions d'Héphaïstos. Le marteau désormais ranimé, et les souffrances d'Héphaïstos attendant en contrebas, Phénix n'avait plus qu'à sauter. Après avoir vaincu les Spartes arrogants, Phénix put s'atteler à la réparation de l'armure endommagée. L'armure brillait. Pas mal les métaphores. Respect. J'ai tué les soldats Sparte, comme tu me l'as demandé. Considère-toi comme vengeancé. Ah, je pousse un... pousse un cri de victoire. Oui, je suis resté trop longtemps un poulet. Ah, quel cauchemar. Je leur ai pris les éléments d'armure. Ils étaient cassés, mais je les ai réparés à la forge. La forge d'Héphaïstos? C'était bien la première fois qu'un artiste de talent y travaillait. Merci. Enfin, difficile de dire si ce compliment m'était destiné. Une bonne guerrière a besoin d'une bonne armure. Les épées, c'est dangereux. Alors, quel soldat prêt à affronter Typhon as-tu trouvé? Eh bien, Héphaïstos, déjà. Je t'arrête tout de suite, là. Non, jamais. Héphaïstos se battre! À la rigueur, il pourrait faire porteur de bouclier. Et encore,
Y a pas d'offense, hein. Tout va bien. C'est une tâche très importante, crois-moi. Petite guerrière, tu seras à la pointe du combat cette fois, ne t'en fais pas. Mais si Héphaïstos veut éviter les ennuis, il ne s'en mêlera pas. Yeah. Tu as de l'électrum qui te brûle les poches? Bon, je crois qu'on va pouvoir s'appuyer sur Athéna. Quel soulagement! Je ne me souviens jamais de nos transformations. Aux dernières nouvelles... Personne n'a besoin que tu lui fasses de l'ombre, Aphrodite. Oh, ça va. Pour faire de l'ombre, je dirais que la coiffure de Phénix, ça va pas du tout. Quoi? J'ai dit que si je faisais de l'ombre, on parlerait des cheveux d'Hermès. Et puis, des sandales. Heureuse d'être de retour, Athéna? C'est agréable, un peu humide, sans vouloir me plaindre. Je ne veux pas critiquer, mais on aurait peut-être dû construire quelques murs en plus. Tu prépares un plan pour en finir avec Typhon? Oh que oui. Mais il y a autre chose à régler avant. Lors du conflit contre Typhon, j'avais... Enfin, j'ai cru avoir le plan idéal pour le battre. Mais alors que je m'apprêtais à frapper, la harpie appelée Ozomène a fondu sur moi. Elle m'a distraite assez longtemps pour que Typhon me transforme en petite fille. Ozomène m'a ensuite emportée dans ses immondes serres. J'ai réussi à m'enfuir, mais elle est toujours là, quelque part. Elle ne t'ennuiera plus. Je vais la trouver et l'éliminer. Vraiment? Comme ça? Bien sûr. Je suis ta championne, non? Techniquement, non, tu n'as pas terminé. Mais j'essaie de faire preuve de souplesse. Donc, va, apprenti championne. J'ai été bien? Divine. Alors, parfait. Accomplis des actes héroïques. Je t'en sais capable. Et si je refuse le compromis? Je veux mériter le titre complet de championne. Le mériter? Alors tu devras faire mieux qu'Héraclès, Ulysse, Atalante et Achille. Personne n'y est jamais parvenu. Je place la barre très haut, tu sais. Que se passera-t-il si je réussis? Dis-moi, il y a des statues de toi, là où tu vis? Une statue de moi? Non. Eh bien... Au cas tout à fait improbable où tu parviendrais à m'impressionner, il faudra remédier à ce manque. Tu devrais aller voir ma statue. Il y a à ses pieds quelque chose qui devrait, je crois, t'inspirer.